Jane Birkin s'est éteinte après 16 ans d'une lutte acharnée contre la maladie, ont déclaré Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon dans un communiqué de presse daté du lundi 17 juillet, faisant référence au décès de leur mère survenu le dimanche 16 juillet. Dans ce communiqué, les deux sœurs ont expliqué que leur maman commençait à se rétablir de ses problèmes de santé, mais malheureusement, cela n'a pas été suffisant. Depuis quelques jours, elle arpentait de nouveau son chemin avec une détermination renouvelée, animée par la volonté de reprendre les rênes de son Olympia et de retrouver son autonomie. Cette première soirée en solitaire allait également être la dernière, car elle en avait ainsi décidé. Depuis l'annonce du décès de la chanteuse d'ex-fan des 60s, de nombreux hommages lui sont rendus sur les plateformes des réseaux sociaux. Parmi eux, celui de Mika, qui a confié travailler sur une chanson en hommage à l'artiste. Ces hommages ne sont pas toujours exempts de controverses, comme le montrent les réactions suscitées par le dessinateur Plantu ou encore la publication du photographe Jean-Marie Perrier. Un proche de Jane Birkin, qui a dû présenter des excuses suite à des commentaires jugés désobligeants par certains internautes. Le dimanche 16 juillet dernier, le célèbre photographe Jean-Marie Perrier a rendu un vibrant hommage à Jane Birkin en publiant plusieurs de ses photographies. Dans une première publication, il a partagé de nombreux clichés de l'actrice, agrémentant ses images d'un court récit relatant leur rencontre artistique. Puis, dans une seconde publication, Jean-Marie Perrier a choisi de partager une photographie touchante de Jane Birkin en compagnie de Charlotte Gainsbourg alors qu'elle était enfant. Cependant, cette dernière publication a suscité des commentaires négatifs de la part de certains internautes. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement en reprochant au photographe d'avoir omis de mentionner Lou Doyon dans son hommage photographique à Jane Birkin. Cette omission a clairement engendré des réactions contrastées chez les fans et les admirateurs de l'artiste disparu. Ce lundi 17 juillet, Jean-Marie Perrier a choisi de clarifier la situation en publiant une nouvelle photographie. Sur cette image, on peut voir Jane Birkin accompagnée de ses deux filles. En guise de réponse à ses détracteurs, le photographe a ajouté un message dans la description de la publication, Jane et deux de ses filles. Attendu qu'hier, certains mais surtout certaines se sont permis de me faire des réflexions désagréables parce que je n'avais pas mentionné Lou Doyon. J'ai enfin réussi à voir sur Insta cette belle photo de Jane et ses filles. À travers ces mots, Jean-Marie Perrier souligne qu'il n'a pas l'intention de nourrir de rancœur et préfère recentrer l'attention sur la beauté de cette photo mettant en lumière Jane Birkin et ses deux filles.